Conduite automobile responsable. On vous en parle ce matin. Le film Dérapage de Paul Arcand sera diffusé sur nos ondes ce soir, 19h30. Un film qui met en lumière les risques inutiles que plusieurs jeunes prennent. Les questions d'alcool au volant et les questions de vitesse aussi au volant et de distraction comme les textos. Frédéric, ça t'a inspiré une chronique sur peut-être les initiatives positives qui sont prises pour sensibiliser les jeunes. Oui, parce que ça vaut la peine de il faut pas lâcher prise là-dessus. Il faut pas dire lancer la serviette, de dire, bon, les jeunes, c'est fini, il n'y a rien à faire, ils sont téméraires. Non, je pense que ça part de la parole, de l'influence que les parents peuvent avoir, du modèle aussi que ces parents-là représentent auprès de leurs jeunes. Alors, voici quelques initiatives populaires et dignes de mention pour vous aider dans votre démarche, justement, à sensibiliser vos jeunes. Donc, premièrement, on a vu déjà le simulateur de CAA Québec. Donc, CAA Québec qui propose un simulateur de conduite qui représente les conditions routières et météorologiques et également avec distraction au volant, tel le cellulaire, le texto. Et j'ai demandé à Rosalie, qui a 18 ans, elle en est à sa première année, elle vient de compléter un an de conduite au quotidien avec sa voiture. Je lui ai demandé de me texter pendant ma chronique, on va voir ce que ça donne. Et avec les résultats, à la fin de ma chronique, on va être à même de déterminer l'impact de sa conduite avec un cellulaire au volant ou le fait de texter au volant, la distance qu'elle a pu parcourir justement à l'aveugle comme ça et où elle a pris des risques. On vient de voir quand la route des yeux, ça paraît à l'écran, il y a une caméra qui le ressent puis ça devient gris comme ça. Ça veut dire qu'elle ne regardait pas. Là. Exactement. Et tout ça, c'est comptabilisé. Mm-hmm. C'est un simulateur qui se promène d'école en école. On a rencontré jusqu'à 4000 jeunes jusqu'à maintenant pour justement les aider justement à comprendre l'impact de la conduite dangereuse. Alors, on va aller voir en fin de chronique ce que ça donne pour Rosalie. Ouais. Il y a aussi l'art qui peut être au service de la cause. Bien, l'art qui peut être au service de la cause, je vous invite à regarder une œuvre qui est absolument très impressionnante, c'est l'œuvre de Pierre... Ah, je viens de recevoir un texto. Tu peux le prendre, tu ne conduis pas. As-tu un accident, Rosalie? Donc... Mais tu pourrais lui répondre. Oui. Parce que ça va la distraire. OK. Donc, pendant que je vous parle de Pierre Arpin. Pierre Arpin, qui est un artiste... Hey, c'est pas évident de parler en même temps, faire deux choses en même temps comme de conduire. Coucou, c'est pas long, ça. Coucou, je suis en train de parler à salut, bonjour. C'est ça. Je te rappelle. OK, donc voici la sculpture qui s'intitule Drift. Pierre Arpin est un sculpteur québécois. Il a l'habitude de créer des œuvres à partir de pièces automobiles. Sa deuxième collection, il nous en fait l'exclusivité aujourd'hui. La mission de cette collection-là est de sensibiliser les gens et surtout les jeunes aux impacts, aux conséquences des comportements à risque sur la route. Et ce sont des capots de voitures là, accidentés que vous voyez en ce moment. Je voulais te demander, Ève-Marie, quand j'ai vu l'œuvre, quand tu as vu l'œuvre, ce que tu as ressenti. Tu viens de dire le mot. C'est un impact. Ça pogne, c'est percutant. Mm-hmm. Et c'est vraiment ce qu'il veut, je pense, aller chercher chez nous comme émotion. Ça devrait faire jaser cette collection-là parce que effectivement, quand on se retrouve devant ça, on se dit, est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que je ressens? Ah oui, c'est beau, c'est une belle œuvre d'art, mais tout à coup, oui, cette pièce-là a été impliquée dans un accident de voiture. Alors, c'est certain que ça va faire réfléchir et c'est l'objectif de Pierre Arpin. Lui, ce qu'il souhaite, c'est de retrouver ces pièces-là circuler dans une collection itinérante à travers la province pour sensibiliser un maximum de gens et de jeunes et également en faire des bornes témoins. Tu sais, ce qu'on retrouve, justement, on le voit dans le documentaire de Paul Arcand, lorsqu'il y a des décès qui sont causés par des comportements, des erreurs de jugement sur la route, il y a des croix de chemin que l'on installe comme ça sur les lieux d'accident, des fleurs que l'on dépose à l'hommage des gens qui sont disparus. Lui souhaiterait, Pierre Arpin, voir des pièces, des œuvres d'art comme ça se retrouver sur ces lieux-là pour dire aux gens, « Hey, ralentissez, il y a eu un accident ici, soyez prudents. » Donc, c'est un rêve qu'il caresse, on va lui souhaiter... Donc Pierre Arpin est exposé, sera exposé d'ailleurs dans le cadre du Grand Prix, à la galerie MX à Montréal, à la galerie Le Point Rouge et actuellement chez Mariette Clermont. Donc c'est une belle initiative. On est rendu à combien de j'aime là, pour Je tiens à la vie? Ben, Je tiens à la vie, écoute, Je tiens à la vie qui est une page Facebook qui est de mon initiative, qui a démarré ici à Salut Bonjour Weekend et sur laquelle toi tu t'es engagé justement à ne pas texter au volant. C'est une page qui a pour but justement de permettre l'engagement, de dire, moi, si j'avais un comportement responsable à choisir, ce serait celui-là. Et donc, toi, tu as choisi de ne pas texter. C'est ce que tu as inscrit sur cette page. C'était plus que ne pas texter. C'était justement de ne pas être distraite quand le texto rentrait. Parce que de moi-même, je ne textais pas. Mais si quelqu'un textait, j'avais vraiment tendance à regarder. Oui, ça sonne. C'est la même chose. Tu quittes la route des yeux. Alors, mon truc, laisse le téléphone,
dans le sac à main. Ben, c'est un très bon truc. Ferme la fermeture éclair. Tu prendras tes messages au retour. Puis comme j'ai une oreillette, si jamais j'ai à avoir une discussion, c'est possible de te joindre de toute façon. Ouais. Alors là, ça permet la responsabilisation, la conscientisation. Et ce que je vous lance comme défi aujourd'hui, mais je sais que vos ados s'adorent en ce moment. Ça va se réveiller pour déjeuner à 3 heures cet après-midi, là. Mais vous, allez-y, allez vous engager sur cette page-là. Et puis, parlez-en, ça va servir de prémer justement à la discussion avec vos jeunes cet après-midi pour leur dire, écoutez, papa, là, papa s'est engagé, là, c'est à ton tour à t'engager, mon fils. Et dans cet esprit d'engagement, il y a CAA Québec qui a une lettre d'engagement également qui est disponible sur leur site et toutes les coordonnées se retrouveront sur le site de Salut Bonjour, évidemment. Regarde, ça commence comme ça. En tant que parents et adolescents, nous convenons chacun d'adopter un bon comportement derrière le volant, notamment en laissant nos téléphones de côté, en évitant de conduire lorsque nous sommes en colère ou fatigués, etc. Donc, engagez-vous comme parent. C'est la meilleure façon de convaincre ces jeunes d'adopter des comportements responsables. Avant qu'on aille voir les résultats du test de simulateur, vite, vite, un petit mot sur les cool taxi. Ça existe encore. Il y a deux périodes de l'année où les jeunes ont tendance à adopter des comportements à risque au volant. La période des fêtes, par exemple, et la période des balles qui s'en vient. Donc, des coupons qui sont monnayables, qui sont prépayés, cooltaxi.com. Donc, offrir ça à ces jeunes comme parents, comme grands-parents, je pense que c'est de leur offrir le cadeau de la vie, là. Oui. On se voit maintenant à Louis-Olivier Pelletier, formateur sécurité routière, c'est à Québec. Et Rosalie, 18 ans, jeune conductrice. Alors, comment ça a été son examen? Ça a bien été. On n'a pas fait d'accident. Mais en somme, qu'est-ce qu'on peut retenir dans les statistiques qu'on a? C'est qu'on a eu 41 conduites à l'aveugle. Donc, 41 fois, volontairement, elle a quitté les yeux de la route. Pour un total de 47 secondes sans avoir regardé en avant. Des empiétements sur les autres voies à 5 reprises, contrairement à 0 quand on ne textait pas. Des freinages brusques, on en a fait le triple, contrairement au moment où on ne textait pas. Puis la statistique qui vient, qui est la plus révélatrice, c'est le 32 %. C'est près du tiers de la route qui a été fait sans regarder en avant sur un parcours de 2,5 km. Qu'est-ce que tu penses quand tu vois ces résultats-là? Qu'est-ce que ça te fait? C'est terrible. C'est l'enfer. C'est dangereux, surtout. Oui, hein? Ouais. C'est étonnant. Est-ce que tu as tendance à texter au volant dans la vie sans le simulateur? Pas vraiment. Pas vraiment? Bon, bien, continue. Bravo, continue. Ouais. Oui, c'est probant. Comme résultat, on se rend compte que le texto a directement une influence. Et puis l'avantage, c'est que c'est un simulateur. Donc, faites pas l'essai à la maison, dans la vraie vie. Faites-le sur le simulateur. Je pense que c'est très parlant. Frédéric, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Rosalie, Louis-Olivier. Ça fait plaisir. Merci.